The following contest is scheduled for one fall and accompanied by Becky Lynch from France, weighing in at 179 pounds, Kat Tucker. As we get ready for this match, I'd like to... Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 62 de ma carrière sur WWE 2K17. Je fais équipe avec AJ Styles désormais. Nous avons vaincu Seth Rollins, Aaron Johnson lors de SummerSlam. Le prochain pay-per-view est Night of Champions. Bon, il ne m'intéresse peut-être pas spécialement, en tout cas pas si je ne suis pas dans les trois premiers prétendants pour le titre mondial. Mais après Night of Champions, il y a Hell in a Cell qui lui pourrait s'avérer être un tout petit peu plus passionnant. En attendant, je dois enchaîner les matchs et je commence ici ce soir contre cet homme. The Big Show. Voilà, le coup à l'arrière du crâne qui a fonctionné. Ça a fonctionné, c'est l'essentiel. On attaque la jambe. On va même attaquer le bras au cas où. Ça pourrait servir pour plus tard. On ne sait jamais. Pour l'instant, j'ai pas trop l'intention de finir le match avec une soumission. Mais si jamais j'ai l'occasion de le faire, après tout, pourquoi pas. Allez, là c'est bon. Il est maintenant sensible aux prises normales. Alors du coup, tu vas venir par là. Je vais placer une petite attaque. Ah, c'est un backbreaker, ça, c'est pas une attaque sur le bras. Il va falloir que je cible un petit peu le bras quand même. Voilà, c'est parfait, c'est très bien. Pour l'instant, je me fais un petit peu frapper au visage. Bon, Big Show, c'est pas que j'aime pas me battre avec toi, mais disons que j'ai d'autres choses à... Ouh ! À faire, il est tellement violent quoi. Oh super, il m'a trop attaqué au sol. Du coup, hop là, Hurricane Runner contre automatique gratuit. Et il a pas pris beaucoup de dégâts quand même. Sa santé est basse, mais au niveau des dégâts du corps, il a quasiment rien pris. Hop là, DDT, et bah il suffit que je dise ça pour que Big Show ait sa tête dans le jaune. Alors provoque dans le coin pour avoir un petit bonus de dégâts. Je fais pas la provoque pour qu'il se relève. En tout cas, pas dans le coin, et je vais même pas la faire du tout. Il est déjà en train de se relever. Péniblement, certes. Hop là, attention. Hop là, voilà, on a bien attaqué la tête. Est-ce que je peux le retourner? Oui, tout à fait. Ça peut passer, on ne sait jamais. Ah, dommage. Dommage, dommage. Alors du coup, ça complique un tout petit peu les choses. Oh, le spear de Big Show. Et il veut me frapper au visage avec son poing. Le Knockout Punch ou WMD. Il est trop prévisible. Voilà. Bon. Allez, deuxième tentative avec le Phoenix Splash. Sans le bonus de dégâts. J'ai attrapé l'immense jambe de Big Show. Et je gagne. Bien. Donc, premier match... gagné, pas si difficile que ça. On revoit un petit peu, voilà, ce qui s'est passé. J'ai remis les replays. Alors j'ai l'impression que les mises à jour ont écourté un petit peu la durée des replays. En tout cas, je suppose, hein, je suis pas certain. Mais ce Phoenix Splash, ah, ce Phoenix Splash avec un léger ralenti, j'ai l'impression, est juste superbe, pardon, sublime, superbe. Choisissez votre mot. Nous aurions pu être partenaires, finalement nous ne le sommes pas, et nous sommes en plus adversaires encore une fois. Mais Finn, je te respecte, il me respecte aussi, on est quand même assez potes. Hein. Nous ne sommes pas non plus des ennemis jurés. Ouh, ça commence assez sévèrement avec un brainbuster.
Je crois que c'est un message, parce que mon finisher avec AJ Styles est un combo Brainbuster plus Frog Splash. Serait-il jaloux? C'est une hypothèse. Enfin bon. J'attaque ton bras, mais je suis pas certain de vouloir te faire abandonner. Disons que je te respecte. Et je me sentirais mal si je te faisais ça en fait. Je te l'ai déjà fait. Oula, par contre, je me suis pris un magnifique Enziguri dans la face. On repousse Finn Balor. Projection dans le coin. Parfait, il n'a pas réussi à contrer. J'ai amené son visage dans le coin. Il n'est pas très bien placé pour un plongeon, mais c'est bon. La superstar a réajusté un petit peu la trajectoire. Ce qui fait que tout va bien. Pas de panique. On maîtrise. Finn Balor contre. Et c'est là que je vais le laisser attaquer parce que mon troisième contre est en train de se recharger et il est presque rechargé. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'avantage au niveau des contres. Et j'aimerais bien l'avoir. La souplesse de Finn Balor. Balor sur le tablier. Préparant ainsi une attaque. Olay! Et boum! Ah, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour... Je me suis ravisé. Je me suis bien ravisé. C'était beaucoup trop tôt pour une attaque... Final pour un finisher en somme. Oh magnifique. Oh le Falcon Arrow assisté avec les cordes. Bien joué. Ah tu t'es pas assez dépêché Finn. Non Finn, je punis ton ta lenteur. Et du coup je place mon moonsault quand même. Voilà. Allez Finn. Je te soulève. Et contrairement à ce que dit Michael Cole, tu n'échappes pas à ce coup-là. À ce GTS. Allez, jusque-là, j'ai été sympa. Et maintenant, il est temps que tu affrontes ton destin. Et ton destin, c'est mon genou. Parfait. Tentative de tomber sur Finn Balor. Et dégagement assez logique. J'attaquerai bien encore un petit peu la tête avant de placer le facelift. Si toutefois Finn Balor me laisse faire. Et bien sûr que non, bien sûr que non. Allez, vas-y, je suis joueur. Bon, je vais même pas contrer ton coup spécial trois fois dans le même match. Ce serait un petit peu dégoûtant. Même moi, j'aimerais pas ça. Et voilà, le saut chassé. Alors par contre, le coup de grâce, non. Je suis pas trop chaud pour le coup de grâce. Olé! En revanche, j'ai absolument rien contre le facelift. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me contrer. Ce serait mérité, hein. Quoi? Mais c'est pas ce que j'ai demandé. Bah, j'ai même pas pressé RB en même temps. Ok, donc le bouillard à la Roman Reigns. Attends, non, je vais tenter le tomber quand même. Je vais tenter le tomber. J'allais me taper les discutes avec Becky, mais bon. Attendez. Alors Becky, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Un bug? Ok, bon, si c'est juste un bug, ok. Bon, bah, ok. Non, Finn, c'est selon mes conditions. Est-ce que vous aussi, vous avez eu peur en voyant Becky si proche de nous? Donc, on se bat à l'extérieur. Voilà, qui pimente un tout petit peu les choses. Est-ce que je suis assez malade pour tenter un Phoenix Splash à l'extérieur? Non, il n'est pas en position. Par contre, oh, je pouvais quand même. Ah, intéressant. Donc, je peux quand même placer un Phoenix Splash sur un adversaire qui est sur le ventre. Bizarrement, j'ai envie de tenter. Allez. Donc, Balor. Ah, mais il va peut-être se retourner. Ouais, il se retourne. Ouais, bon, c'est pas grave. La victoire d'abord. La victoire d'abord. Hop là, le Phoenix Splash touche. Et il se dégage. Ah, Finn, là, tu tiens beaucoup plus longtemps que ce que j'avais imaginé.
J'apprécie ta persévérance, j'apprécie ta ténacité. Mais j'ai une botte secrète. Une arme redoutable. Et cette fois, tu ne pourras y échapper. Sauf si tu fais ça, effectivement. Oh mince, par contre, je l'ai bouffé là, le saut chassé, le missile dropkick. Il me fait la morale en plus, Finn. Tu t'es pris pour Chris Jericho avec ton doigt là. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Balor, venez par ici. Gutbuster. Monsieur Balor, relevez-vous. Vous êtes pris mon genou trois fois, je crois, dans ce match. Il est temps de varier un petit peu les attaques. Vous me résistez, donc je vais devoir employer la manière forte. Et ça va vous coûter très cher, ça va même vous coûter un bras. T'approuves Becky ou pas? Ouais, je pense qu'elle approuve. Et je fais abandonner Finn Balor. Ça fait deux épisodes que j'essaie de placer ce jeu de mots. Deux épisodes. Mais que j'attends la parfaite opportunité. Même plus que ça, d'ailleurs. Ça fait combien d'épisodes que j'ai eu l'idée de ce jeu de mots? C'était pour Chris Jericho que je voulais faire ça. Je voulais le battre à Battleground avec le Disarmer en lui disant « Tu vas me payer tout ce que tu m'as fait et ça va te coûter un bras. » Oui, c'est ça. Donc ça fait quoi? Ça fait trois épisodes même. Même quatre si on remonte jusqu'à Battleground en fait. L'épisode avec Battleground, c'était l'épisode 58. Oui, donc ça fait quatre épisodes effectivement que j'essaie de faire ce jeu de mots. Bon. Là au moins j'avais un bon motif pour exécuter le Disarmer. Alors, l'arbitre ne regardait pas tellement la tête de Finn Balor. Est-ce qu'il regardait son slip? Monsieur l'arbitre Ah, par contre, je suis content de voir que Finn Balor n'est pas rancunier. On a eu un très beau match et il a apprécié. Un homme respectable. Comme quoi, il aurait pu faire également un excellent coéquipier. I'll admit, you're special, but you're not the next big thing until you're a Paul Heyman guy. Do me a favor and go after John Cena. Mais je voulais pas de rivalité, moi. Pourquoi, Paul? Pourquoi tu me fais ça? Tu es sympa avec nous. Cela dit, ouais, j'ai jamais parlé de ça, mais Paul Heyman, quand même, dans le mode carrière, est vachement sympa. Hein. C'est un petit peu l'ange gardien. L'ange gardien qui suit votre carrière, qui va vous donner des petits conseils, qui va vous encourager, il est vraiment sympa. Il est vraiment cool. Alors après, je ne vais pas être un Paul Heyman guy parce que je ne veux pas être dans la même équipe que Brock Lesnar. Et parce que Becky sera ma manageuse quoi qu'il arrive. Mais je dois avouer que Paul Heyman est vraiment super sympa dans votre carrière. C'est vraiment super cool de le voir comme pote. Et effectivement, il arrive qu'il nous donne des rivalités. Et là, en l'occurrence, John Cena est mon nouveau rival. Alors du coup, pendant que Randy Orton arrive... Je précise qu'il est prétendant numéro 10. Donc, effectivement, je voulais pas de rivalité. Et malheureusement, j'en ai une maintenant. Bon, est-ce que ce sera une rivalité aussi féroce que contre Chris Jericho, par exemple? Je pense pas, parce qu'après tout, ce n'est pas moi qui ai voulu affronter John Cena. C'est peut-être même pas John Cena qui a voulu m'affronter. Peut-être que Paul Heyman s'est dit, tiens, ces deux-là, ça pourrait faire un truc sympa. Et de mémoire, il me semble que John Cena est champion intercontinental. Donc, après tout... Pourquoi pas, je vais affronter peut-être le champion intercontinental dans un match, que ce soit un match solo ou un match par équipe, un Night of Champions. C'est une possibilité. Mais est-ce que cette rivalité est une rivalité qui diffère des rivalités normales du jeu? Est-ce que c'est une rivalité qui augmente mes chances de gagner des places dans le classement? Ha, c'est une bonne question. Mais effectivement, ces petites rivalités qu'on a grâce à Paul Heyman, déjà sont des défis Paul Heyman, ça fait partie du défi Paul Heyman, enfin d'un des défis à remplir pour devenir un Paul Heyman guy. En fait, il faut gagner, je crois, 10 de ses rivalités. Et c'est un objectif secondaire, il me semble.
Alors par contre, je sais même plus quel est le critère de sélection pour être un Paul Heyman guy. Je crois qu'il faut remplir soit un objectif principal, soit au moins trois objectifs secondaires. Alors c'était comme ça qu'il fallait faire pour être main pas main eventer, excusez-moi, pour être Hall of Famer dans WWE 2K16. Donc je suppose actuellement que c'est ce qu'il faut faire pour être un Paul Heyman guy dans WWE 2K17. Alors après, si ça se trouve, c'est écrit dans l'écran de défi pour les Heyman guy. J'ai pas fait attention, peut-être que je devrais aller voir. En tout cas, voilà. Pour l'instant, je suis pas intéressé par, même je le saurai jamais. Hein, j'ai expliqué pourquoi. Mais bon. Donc, rivalité avec John Cena. On va voir ce que ça va donner. Mais en attendant, coup de pied dans la tête de Randy Orton. Yeah! Ah, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, la troisième corde, mais ça marche. Allez, boum. Frog Splash, ça fait pas de mal. Et le DDT ne va pas faire de mal non plus. Sauf à Randy, peut-être. Bim! Bah alors, Randy? Ah, et peut-être que je peux mettre fin à ce match. Get up, Randy! Meet your destiny and meet my knee. Hurry, Kev, hurry. Par contre, c'est bête, il est resté de dos. Ça m'aurait arrangé qu'il soit de face, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est pas ce que j'ai demandé, moi. Bon, ça vise la tête, mais bon. Ouais, c'est bon, ça vise la tête, pas de problème. Allez, dépêche-toi, 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 le bonus de dégâts, le bonus de dégâts. Oh, le bonus qui s'est barré juste avant la fin. Juste avant le super drop kick. Mais c'est bizarre. Est-ce que mon doigt a accidentellement pressé la touche RB? Je pense pas quand même. Je pense que c'est un bug. Hein. Bon, peut-être qu'un petit moonsault va pouvoir régler le problème. Un gros moonsault, vu qu'il a roulé pour s'éloigner. Voilà, pas mal. Ça peut fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Bon, en même temps, ça ne me surprend pas. Bon, faut pas exagérer. S'il tente le RKO, je tente de le contrer. Ouais, pas sûr que ça fasse un dégagement compliqué, hein, s'il arrive à le placer. Et de toute façon, j'arrive à le placer. Et tu le bouffes. Et tu vas prendre mon Phoenix Splash. Boum. Parfait. Ouh, ça passe pas. Oh, Randy s'est dégagé. Alors là, bien joué. Alors je pense que ça mérite peut-être... Ah mince, il a réussi à me surprendre. Ah mince. Cette prise-là, j'ai toujours du mal à me souvenir du moment où il faut contrer. Son fameux brise-nuque. Allez, je te donne le 1 quand même, je suis sympa. Ah là, le kill switch. Ça, c'est pour avoir piqué le titre à Christian. Bon, d'accord, il s'est dégagé. Bon, ça va, ça va. Ça va, Randy, fais pas trop le malin. Et mine de rien, on va claquer un petit match 5 étoiles, hein. Allez, le coup de pied retourné. Il a reculé. Coup de poing dans l'abdomen. Petit coup de poing dans la face. Contré. Tu refuses d'aller dans le coin, toi. Hein. Moi, je refuse de me prendre ton coup spécial. Non, mais. Et mes exigences à moi. Les exigences, oui, les exigences de Kevraker. Bon, bah pour la peine, voilà, tu te prends un DDT. Ça t'apprendra. Bon, bien joué pour le DDT. Allez, je suis joueur. Après deux. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment très peur. Allez, Kev, tu peux le faire. Allez, si je contre le RKO, je vous jure que je tente le Disarmer. Oh là, je pense qu'il va tenter de... Olympic Slam, joli. Je pense qu'il pourrait tenter le punt kick. Ouais. Tu vois, Randy, je te connais un petit peu.
Eh non, tu ne feras pas la même chose à moi qu'à mon coéquipier. Oh, un petit signe de faiblesse. Bexplex. Ça vaut bien une Bexplex. Et ça vaut bien... Oh, le Phoenix Splash qui va avec. Allez, pour être sûr. Provoque pour avoir un bonus de dégâts. Ça passe, c'est fini. Là, il pourra pas se dégager. Voilà. Parfait, bah c'est super. Excellent match contre Randy Orton. Excellent match de Randy Orton même. Qui s'est montré extrêmement coriace. Mais il a commis une erreur. Il n'a pas tenté le second RKO. Il a tenté un punt kick. Hey, t'as réussi à en placer deux sur AJ Styles. Mais moi, je suis plus malin. Non, attends. J'espère qu'AJ n'a pas écouté ce que je viens de dire. Je viens de m'apercevoir en fait que c'était une insulte en fait. Non, c'est pas ce que je voulais dire en fait. J'étais plus lucide que lui. J'étais en meilleur état que lui au moment où il s'est pris les punt kicks. Voilà. Lui, il était sonné. C'est pas pareil. Alors du coup, j'imagine que je vais affronter John Cena à SmackDown. Bon, déjà, oui, ça c'est sûr. Je suis en rivalité avec John Cena. Eh ben, coéquipier avec AJ Styles, rival avec John Cena. Ma carrière est bien remplie. Et pourtant, j'affronte Cesaro à SmackDown. Est-ce que John Cena est dans les parages? Pas au début du show. Et à la fin, oui, il affronte même Brock Lesnar. Mais je vais pas attaquer John Cena. J'ai pas spécialement envie. Je vais le laisser avoir son petit match contre Brock Lesnar. Son petit match, entre guillemets. Pour le dernier match de cet épisode, j'affronte l'ancien champion intercontinental, Cesaro. Idéal pour me préparer à affronter le nouveau champion, John Cena. Encore le plongeon, oh là là. On va reprendre notre souffle quand même. Est-ce que c'est vraiment prudent ce que je suis en train de faire? Oh, whatever. Aouh, ça fait mal. Cesaro avec le contre qui lui permet d'enchaîner avec sa powerbomb. Merci Jerry pour le boom. Merci pour les effets spéciaux. Petite provoque de Cesaro. Ah, qui a pas l'air d'apprécier ce que je suis en train de faire dans ce match. Jusqu'à présent, c'est lui qui a été dominé. Olay, Cesaro, Olay. Ouh, bien joué! Il m'a vu venir en courant avec mes gros sabots. Il se défend. Oh, Cesaro, tu arrêtes? Bon, bien joué. Bon, au moins, moi j'ai un finisher en attendant. Oh, purée, cette manchette. Oh, joli! Joli Cesaro. Oh purée. Voilà, je me dégage. Tranquille. Je suis tranquille. Là, Cesaro n'a pas été gentil avec moi. Il m'attaque au sol encore, purée, mais... Il m'attaque encore au sol, devrais-je dire même. Alors là, Cesaro est vraiment pas cool avec moi dans ce match. C'est pas très joli Cesaro comme match là. Voilà, je te punis. Oh, j'aurais dû te punir avec le disarmer, mais non, il était pas assez fatigué pour ça. Est-ce que... Ah, je sais pas si le facelift va me permettre de gagner ce match. Ah d'accord.
Là j'ai, voilà, là j'ai bien lâché RB. Et j'ai l'impression que quand il est dodo, ça me fait le moment oh my god. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas. Bon, c'est zéro du coup. Tu m'en veux pas, mais je te fais la totale. Boum! Ça touche bien. Et ça me permet de gagner. Boum! Le combo avec les deux finishers. Ça fait mal à Cesaro et ça me fait du bien. Mais il m'a bien fait galérer, hein, Cesaro. Le match a duré beaucoup moins longtemps que contre Randy Orton, mais Cesaro, mine de rien, m'a un petit peu plus cassé les pieds. Non, ça m'intéresse pas. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli, bien sûr. Bien sûr que c'est joli. Le Phoenix Splash est toujours joli quand il est bien exécuté. Et mine de rien, ça fait 4 étoiles et demi. C'est quand même pas mal. C'est même très bien. Parlons de ce qui s'est passé ce soir. Pourquoi être allé à sa rencontre sur le ring ce soir? Je comprends pas trop pourquoi cette question m'est posée, parce que j'ai juste affronté Cesaro et je l'ai affronté parce que c'était prévu. Il sait que je veux ce match contre lui. Ce n'est pas pour lui manquer de respect, mais je continuerai à le provoquer tant qu'il ne m'accordera pas ce match. Il n'y a personne que je veuille affronter plus que lui. Selon moi, nous sommes tous les deux les plus grandes superstars de la WWE. Voyons maintenant qui est le meilleur. Mon rival, donc John Cena. Un match contre Brock Lesnar, et c'est Brock Lesnar qui l'a gagné. Il est chaud, hein, Brock. Il est méga chaud. Depuis qu'il est devenu champion... Et même avant cela d'ailleurs, hein, puisqu'il a, il a eu son match de titre pour une raison. Il est chaud, hein. Il va être assez dur à aller chercher. Bon, cela dit, j'aime bien le rappeler, mais je l'ai battu alors qu'il avait les contres illimités et moi non. Et il était déjà champion à cette époque-là. Donc ça fait je ne sais pas combien de temps que je répète que je mérite un match pour le titre. Il serait peut-être temps de me faire gagner une petite place maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait cool. Ce serait très sympa. Ok, donc je ne gagnerai pas de place grâce à ma victoire contre Cesaro. Alors j'espère que ma rivalité avec John Cena va se finir à Night of Champions, parce que je serais un tout petit peu dégoûté si je manquais un match Hell in a Cell juste parce que j'ai un rival qui m'a été imposé. Bon, j'ai bon espoir. Là, j'ai un match contre John Cena, mais vu que la rivalité a commencé à la... attendez... À quelle semaine? À la troisième semaine. En fait, Paul Heyman me l'a imposé à Raw. À SmackDown, j'ai pas affronté John Cena. Ouais, ça me paraît un peu court pour une rivalité. J'ai peur que la rivalité aille jusqu'à Hell in a Cell. Et il y a quelqu'un... L'un d'entre vous m'a dit, ce serait cool si tu pouvais aller dans un match... si tu pouvais être dans le match... dans un match Armageddon pour... à 6, bien sûr. Pour le titre WWE. Est-ce qu'il y a vraiment ce type de match? Je crois en plus. Oh, si je manque un match Armageddon Hell in a Cell pour le titre à cause de Paul Heyman, là je serais vert. Déjà que j'ai manqué le Rumble en janvier, j'ai manqué Money in the Bank à cause de ma bêtise. Si je manque encore une fois un match important, là, ça ferait beaucoup. Bon, tout s'est bien passé, je suis révélé avec John Cena, tout marche comme sur des roulettes, j'ai pas gagné de place pour l'instant. Mais ça va venir, soyons patients, et prenons simplement les matchs qui viennent, faisons de notre mieux, et on s'amuse. Allez, sur ce, on se quitte, on se retrouve bientôt pour l'épisode 63 de ma carrière sur WWE 2K17. Salut tout le monde, à la prochaine.